Mikael Hansen, Uwe Gensheimer, Niklas Landin ou encore Sander Sagosen, ces grands joueurs sont tous passés par le tibia handball dans leur jeunesse. Le tibi fête cette année ses 20 ans. Mais qu'est-ce que le tibi? Le tibi handball, c'est chaque année deux tournois internationaux, moins 19 ans et moins de 21 ans, organisés dans le Val d'Oise et sur l'agglomération de Val d'Europe, pour les équipes de France jeunes. Il regroupe 4 sélections nationales fortes de handball sur la compétition. Le tibi, c'est aussi une formation à 360 degrés, une école de champions où joueurs, arbitres, entraîneurs et étudiants expriment leur passion pour notre sport. De nombreux pays ont déjà participé à ce tournoi, comme l'Allemagne, l'Espagne, la Croatie, la Norvège et bien d'autres. C'est une référence européenne du handball qui a vu de très grands champions effleurer les parquets, comme dernièrement Mathias Gidsel, Elohim Prandi, Dick Hamem, et je vais m'arrêter là car la liste est très très longue. C'est simple. Excepté les frères Karabatic, tous les derniers champions d'Europe français sont passés par le tibi. C'est une dinguerie. Si t'aimes le handball et que tu veux découvrir les pépites de demain, la prochaine édition du tibi moins de 21 ans a lieu très bientôt, le 14 et 16 mars 2024 à Cérisse dans le 77. Au programme, la France, le Danemark, la Slovénie et la Hongrie s'affronteront.